Bien tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo d'Urbex. J'ai trouvé quelques bâtiments abandonnés, vraiment très sympas, regardez. Aujourd'hui, donc on va se balader voilà dans cette dans ce complexe. C'est vraiment super, c'est une ville qui a été donc dévastée par l'enfer apparemment. C'est vraiment génial. Trop content d'être là. Donc c'est super, on y va. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment abandonné. Hein. Les gens ne viennent plus. Alors c'était une ville française hein, qui s'appelait donc Strasbourg. C'est bon, ça va? On n'a pas 2000 HP? Ça fait trop plaise! Pardon, excusez-moi. Ouais, donc je disais, on est donc dans une ancienne ville française qui s'appelle Strasbourg. C'est vraiment génial. Aïe! J'ai raté. Il y a l'exécute, lui. Attends, mais faut pas que je lui fasse trop de dégâts. Faudrait que je le tape, mais sur le côté, voilà. Stratégique. RIP les Strasbourgeois. Alors non mais c'est le jeu qui nous a dit que c'était à Strasbourg, c'est pas nous hein. Mais là il n'y a plus de secret. Voilà, on sent que le jeu il en a marre. Là c'est plus le temps de collecter des collectibles. Oh je suis bien. Attends-moi. Oh putain de sa race. Ouais. Oh c'est là! Il y a des trucs en bas là non? Oh! Le train! Ok. Il n'y a vraiment plus aucun secret, hein. C'est un truc de fou. C'est quoi l'icône de ça là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je ne sais pas. Allez. L'heure est venue. Ah! Le choc des titans est inévitable, comme il était écrit. Oula! Faut pas s'énerver. Alors, icône du péché. Bonsoir à toutes et à tous. Détruisez toutes les pièces d'armure de l'icône du péché pour désactiver son bouclier énergétique. Tirez dans son bouclier énergétique. Exposé ne lui inflige aucun dégât. Absolument rien compris. On relit. Détruisez toutes les pièces d'armure de l'icône du péché pour désactiver son bouclier énergétique. D'accord. Tirez dans son bouclier énergétique. Exposé ne lui inflige aucun dégât. Rien compris du tout. Par contre, j'ai plus de munitions. Ah si, ils m'ont rendu les... Ah bah non. Donc par exemple... Ah ouais, d'accord. Comment on fait pour... éviter les coups? Ah ouais, d'accord. Oh là là, mais il y a une salle et tout. Putain, on se régale. Aïe. Oh. Ça c'est one shot, ça, par exemple. C'est quoi, ça? On ramasse des gants, apparemment. Le BFG. Ça lui fait mal à lui? Ça lui fait rien du tout, évidemment. Ah si, ça a l'air de lui faire quand même. Santé basse. Ah, j'ai 2 HP là, ouais. Je suis caché. Ok, je suis caché encore. Ah mais ça va faire pop des vrais mobs. Oh non, mais c'est chiant ça. Et moi j'ai pas de... J'ai plus de munitions là. Bon à faire. On va s'emmerder avec ça. Les méchants mobs. Ouh les méchants mobs. Ouh là là les méchants mobs. Les méchants. Ah j'ai plus de munitions, c'est vrai, je viens d'oublier. La tronçonneuse. Non mais faut que je... Non. Non ça m'amuse pas. Faut que j'étudie la pièce. Merde.
Attendez, je me suis trompé. Mais là, s'il y a un maraudeur qui pop là, je quitte le jeu. Bon, d'accord que je quitte le jeu s'il y a un maraudeur qui pop. Non, parce que moi, je veux bien et tout, hein. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah merde. Moi, je veux bien être sympa, juste 2 minutes. Mais bon, vraiment. Ah, mais les balles de BFG lui infligent des dégâts. Oh, bah nickel. Hop. Ok, il y a un méga health au milieu, ça fait plaisir. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est le gant là. Paf! Headshot! Alors? Bon, ça doit être la phase 1 en tout cas, vu comment il a perdu des HP déjà. Peine à croire que ce soit aussi merdique. Ah non, mais ça on s'en fout ça! Hop! Ah! Il brûle tout. C'est un cliché, franchement, un mob de l'enfer qui crame tout! Il perd pas tant d'HP que ça. C'est surtout que j'ai tiré au BFG. Ah mais c'est à dire que je vais devoir... Je suis mort là? Ah non. Ah oui. Ah mais ça repop. Mais tout repop. Mais c'est formidable. Non, les balles de BFG repop pas apparemment. Ah ouais ouais, d'accord d'accord. Je viens de comprendre un truc de malade. C'est que tout repop. Et du coup effectivement il faut que j'abîme toutes ces pièces d'armure. C'est-à-dire que je peux pas juste lui exposer par exemple l'épaule gauche et infliger tous mes dégâts à l'épaule gauche. En fait faut vraiment que je défonce toute l'armure quoi. C'est dommage. Oui quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. 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 Bon écoutez. Écoutez. Ça suffit. Ça suffit, il suffit. Ah, il est très énervé apparemment. Ah oui, il y a 2 phases, on le voit déjà. Aïe. Écoutez, tout ça n'a aucun sens, enfin. Enfin, je veux dire, je voudrais tronçonner des gens, c'est tout. Oh, bon sang, bonsoir. Je suis mort. Non, c'est bon. J'avais une vie supplémentaire. Mais sinon, j'étais mort, normalement. Moi, je prendrais bien un petit coup de tronçonneuse, là. Un petit coup de tronçonneuse, ça me ferait bien plaisir. Ah, voilà, eux, là. Vous étiez où, vous? Alors, comment on fait Je sais pas, je pense qu'elle fait des dégâts. Hein. On a pas l'air très. Ah oui, si, c'est bon. Fait des dégâts au bras là. Aïe. Oh, c'est. C'est cocasse. Ta-da-ta-ta. Alors il y a beaucoup de bruit. Aïe. Oh là. Attendez, j'ai 5 HP. Je sais pas trop ce qui m'est arrivé. Aïe. On récupère un peu d'HP. Encore un peu d'HP. Je comprends pas trop ce qui se passe. Hein. Oui, oui. Tout ça est très sympa, hein, mais... C'est très bien fait, c'est très beau. J'adore le cosplay, hein, vraiment. On sent qu'il y a du travail. Faudrait que je tronçonne des gens là. J'aurais besoin de tronçonner quelques personnes. Voilà, c'est tout. Ah voilà, attendez. Ah voilà, parfait. Ah c'est parfait, non, ça c'est moins parfait par contre. Ouh, c'est compliqué hein. Compliqué ce jeu. Je sais toujours pas ce que font les gants.
boost quelconque. Ça a été de se faire cramer la gueule. Ah, j'ai plus d'HP. Ah. Voilà. Parfait. Ah, une munition de BFG, tiens. Aïe. Oh non, lui il est si loin. Merde. On est mort. C'est pas de chance parce qu'il y avait de la vie par terre. Bon bah écoutez, pour un first try c'était pas si mal. Alors qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que les balles de BFG c'est des dégâts. Ça c'est pas mal quand même. Franchement, hey, on va pas claquer nos balles de BFG au début. Oh là là, oh là là. Bonne survivabilité du mob. Qu'est-ce que... Arrêtez! Arrêtez! On va déjà remourir. Bon, cela dit, on est mort deux fois tout à l'heure, c'est juste qu'on avait des vies supplémentaires. On a appris aussi qu'on pouvait se servir abusément de la touche V. Voilà. Ah, ça peut-être pas mal, ça. Ouais, on a mis pas mal, ça. On a plus de balles de rien, hein. Oh putain la vache. Ah voilà. Oh j'ai fait zéro dégâts là, c'était pas bien ça. C'était pas incroyable ça. Merde, je suis trompé de touche. Ah c'est ça que je voulais faire. Non mais comme d'hab, hein, le problème va être donc les munitions. Parce qu'on a pas du tout un DPS constant à cause de ça. Ok mec. Un sacré dégât quand même. On a des balles de quoi? Bah de tout hein. Mais attends, mitrailleuse. Ah, j'ai déjà plus de balles, putain. J'essaie de tout épuiser un peu. Ok, la tête, c'est bon. L'épaule. L'épaule gauche. DPS, la tête d'épaule. Ah. Non, désolé. Désolé, je suis chevalier. Hop. Chevalier des enfers. Ah. Non, pas ça que je voulais faire. Non! Non! Oh non, zut! Oh, il y a une balle de BFG là. Ah ouais, il y en a. En fait, il n'y en a pas des masses. Pas des masses! Le Mega Health! C'est bon là. Ah non, je l'ai pas eu. Ah, je l'ai pas eu, putain. Ça serait bien qu'on puisse verrouiller la cible sur des. Bon, essayons de voir la phase 2 quand même. Je suis curieux de voir la phase 2, moi. Ah, mais là, le problème, c'est que j'ai fait des dégâts, mais pas au bon truc. Ouais, faut que je fasse des. Faut que je fasse des dégâts aux bons endroits. Merde, merde, merde. Non, pas intéressant. Désolé. Ça. Ah voilà. Ah en fait ça faisait plus de dégâts. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Faut pas que je tire pour rien. Au pire coup d'épée sur le boss, ça le one shot. Eh oui, mais la vie n'est pas comme ça. Faut que c'est simple la vie dans les ah dans les enfers. Comment on a le méga health? Oh putain. Faut reculer un peu. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ok, maintenant
Ok, c'est en train de se taper le bras. Ah non, il a pas explosé. Si, il a explosé, non. Ah non, il a pas explosé. Non, pas intéressant. Désolé. Ah si, voilà, ça a explosé, ok. Il reste plus que ce bras, je crois. Ok, ça explose, c'est bon. Je crois. My bad, ça n'a pas explosé. Ah si, mais il reste le bassin. Fuck. Ok, bientôt fini. Je dis ça, mais je suis bientôt mort. En tout cas, on a mieux DPS. C'est un meilleur DPS. Aïe. Ah, il faut que je trouve des mobs là. En fait, faut se cacher un peu pour régène. Ouais, viens là. Viens toi. Merci. Okay, ça fait des grosses exécutes, j'ai l'impression. Ça va être bien régène. Ok, c'est bon, je crois. Il reste quoi là? Ah non, c'est bon. Je crois que c'est bon là, non? Il reste quoi là? Mais dis pas que le bas de son corps ça compte. Oh non. Je crois que ça compte. Ah, pas intéressant, pas intéressant. Voilà. Son armure est détruite et son corps est explosé. Empruntez ce portail voilà. Pour lui donner le coup de grâce. Phase 2. Non, mais pas bien. Le coup de grâce? Mais dis pas que c'est juste une cinématique. Ah non, quand même, voilà. Détruisez les 8 membres de l'icône du péché en leur tirant dessus. Tirez sur ces membres, détruits n'inflige aucun dégât. Ok, ça marche. Donc même chose, sauf qu'en fait, on est mort. Même chose, disait donc, sauf que c'est pas pareil. On s'est quand même fait one shot. Donc on peut sortir de la plateforme. Intéressant. Même chose, sauf qu'en fait c'est plus simple. Et maintenant on tire un peu où on veut quoi. Aïe! Cela dit, je dis que c'est plus simple, mais bon. Là j'ai fait une troisième balle de PFG inutile, je crois. Ça ne lui a fait aucun dégât. Tirer dans la gauche du corps. Ah, c'était utile! Superbe! Alors, on fait une petite phase de récup. Petite phase de récup. Bonsoir. Petite munition. Munition. Bonsoir. Bonsoir. Ah, faut récupérer deux secondes. Non mais. Voilà, merci. Bonsoir. Qui s'énerve comme ça là? Pas c'est. Oh, 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 putain. I'm a firing my laser. Oh! Plus calme, plus calme. Voilà, bonsoir. Il faudrait que je tronçonne les gens là. Ah merde, ça c'est 3. 3 tronçonnés. Toi, bah bonjour. Ah! Ah! Je brûle. Ça brûle un peu. Ah! Ah, on est mort! Oh! Yes, j'ai réussi à revenir. Putain, c'est un miracle. Ça avait pas l'air d'être censé être possible ça. Être censé être possible, vous avez compris. Bon, là le problème c'est que pour infliger les dégâts qui restent, j'ai pas trop d'idées. Le PMG au début c'est bien sympa, on rigole bien hein, et tout, mais bon. Il est où? Ah, il est là. Salut! Change de côté des fois, c'est cool, ça fait plaisir. Oh non, j'avais plus de charge! Oh non, le con! Attends deux secondes. Voilà. Oh, faut vraiment se mettre à couvert quand il fait ça. C'est quoi ça? Ça va où? Ok. Ok, 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 ok. Faut toujours que j'ai 3 coups d'épée là dans mon inventaire parce que sinon ça va être un vrai problème. Ah ouais, en fait ce qui est dur c'est pas le boss, c'est de trouver des phases pour le DPS. Oh merde, le rayon, le rayon, le rayon. Ah,
Ouais, c'est ça. Le boss en lui-même, c'est pas difficile, mais putain, les fenêtres pour le DPS sont si courtes. Ok. Ok. Ok, je brûle, il y a tout qui crame. Ça va, sous prétexte que c'est l'enfer, ça doit brûler. C'est d'un cliché tout ça. Allez, le bras gauche, c'est bon. Dead. Oh merde. Ok, c'est bon. Le bras gauche, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est trop dur. Il bouge trop, il bouge trop. Il est gros, mais il bouge, hein. Alors, comment on fait maintenant? Baliste. J'ai plus rien. J'ai plus R pour l'attaquer. Aïe. Ah, il bouge de place. Regardez, il s'en va encore. Non, pas intéressant. Pas intéressant non plus. Non plus. Attendez, attendez, je récupère des... Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais par contre, c'est horrible le truc de se faire one-shot en tombant dans le vide, là. C'est un vrai problème du boss, ça. Un vrai problème de level design du boss. Viens ici. Ok. Ah, oh, raté. Ah, le bras, c'est bon. Raté. Ah, bonsoir. Tu meurs si tu tombes? Bah ouais, on meurt si on tombe, ouais. Va falloir recommencer à tronçonner des gens, je suis vraiment désolé. Voilà. Bonsoir. Désolé, je suis obligé de vous tronçonner, c'est pour... C'est pour le journal de l'école. On va devoir faire tout au snipe, hein. Ça va être horrible, mais bon. Comme ça, hein. Oh, c'est dégueulasse. Il va taper très fort avec son... A l'aide. On va peut-être mourir là. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Oh là là, il reste le bassin et les deux bras. Autant dire pas grand chose, mais... Et on voit rien. Laisse-moi t'atteindre. Ah voilà, la main, ça a l'air d'être bon. Ok, ça aussi ça a l'air d'être pas mal. Il reste le bassin, je crois. Hein. Il reste full bassin. Petite brochette. Je récupère des trucs. Oh 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 oh. Je croirais dans un donjon de WoW. Les drages sont plus durs que les boss. Hop. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Ouais, oh, même plus. Content d'arriver sur les boss, pas content d'avoir des trashs. Oh là là, comment on va faire? Comment on va faire pour le bidon? Comment on va faire pour le bidou? Comme ça. Je suis mort. Ouh. Ah voilà. Aïe aïe aïe. Je sais pas ce qu'il reste. Je sais pas ce qu'il reste comme membre. Il reste pas grand chose. C'est fini. C'est terminé. Waouh.
Oh ouais, 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 ouais. Oh, il y va, il y va. Oh, il y va. Paf. Dans le Vaucer. Et hop, il laisse le truc. Allez, salut. Et il se casse quand même parce que bon, ça a beau être Doomguy, il sait que ça va être la merde. N'empêche, vous rigolez, mais là, il y a à bouffer pour une ville entière. Hein. J'allais dire, il y a à bouffer pour un an, mais non, parce que la conservation, c'est chaud. Mais il y a à bouffer pour toute la ville, là. Hein. Strasbourg, là, vous avez à bouffer pour toute la ville, je pense. Hein. Il regarde même pas. Il voit le mob tourner, il est en mode, ouais, c'est cool. Sympa. Des charges jaunes, c'est des charges pour ta big attack. Ah oui, pour la machin. Exact. Et tu seras leur sauveur. Ta force sera leur bouclier. Et ta volonté sera leur épée. Et tu demeureras invaincu. Invaincu. Car ton combat est éternel. Et tu continueras de te déplacer en LAN, car tu es invaincu. Bravo! Merci Bethesda, merci ID Software. On s'est régalé. Franchement, le même jeu sans les maraudeurs, c'était le jeu parfait. Succès déverrouillé, Iconoclast. Bravo à tous. C'est la fin de Doom Eternal. Le contrat a été respecté. On aura fait le boss final en une vingtaine de minutes finalement. Eh bien, les mobs qui nous ont reposé le plus de problèmes, ça aura bien été... les maraudeurs, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, et vous avez vu, hein, ils ont pas fait apparaître de maraudeurs pendant le boss final. Franchement, dans la phase finale, un petit maraudeur là, mais un seul, comme ça. Genre une fois qu'il est à 50%, un petit maraudeur qui pop là. Moi j'aurais pas dit non, franchement. Et c'est moi qui vous le dis, hein, moi qui ai détesté les maraudeurs tout au long du jeu. J'aurais mis un petit maraudeur à la fin. Au moins, on aurait vu tout le bestiaire. En ultra hardcore, peut-être il y en a. Peut-être. C'est vrai, peut-être. Avec l'épée, tu le tuais pareil. Et non. Malheureusement, non. Eh ouais. Petite zone de boss avec 2-3 maraudeurs, ça aurait été parfait. Non, mais franchement. Moi, une zone avec double maraudeur. Parce que là. Ça m'aurait beaucoup fait rager, mais une zone avec double maraudeur, j'aurais été sympa, j'aurais été content de la passer, vous voyez. Genre tu le fais, tu te dis. Ouf. Tu as pas dit que tu quittais avec un maraudeur, mais bien sûr. Il y en a une de zone avec deux maraudeurs. Bah non, dans les level bonus. Ah ouais. Ah ouais. Bah j'ai pas vu, malheureusement. Alors que c'est qu'un mec qui promène son chien. Go multi, deux maraudeurs. Il y a une strat pour les maraudeurs, une fois que tu l'as, c'est easy. Bah ouais, hein. Faut tirer dessus quand ils ont les yeux verts, en fait. Voilà, je te donne la strat, c'est cadeau. Étant donné que ce boss final était une référence à Doom 2 à l'époque, c'était infiniment pire, même si la façon de le battre était différente, car si t'étais pas chanceux, tu pouvais avoir un spam de Arkbill. Ouais, une référence, tranquille. T'as une porte avec deux maraudeurs en même temps. Ah ouais. Pas mal. Go tout refaire à 100%. Non. Moi, Doom, c'est pas un jeu que je fais pour faire à 100%. C'est un jeu que je fais pour finir parce que je trouve ça marrant. On aura fait Doom 2016, Doom Eternal. Je trouve vraiment que Doom Eternal est mieux que Doom 2016. Le sound design est meilleur, le level design est meilleur, l'histoire est meilleure, les énigmes sont meilleures. Vraiment, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus un succès que Doom 2016. Il y a plein de gens qui préfèrent Doom 2016. Franchement, je trouvais ça abusé. Le lore est meilleur. Oui, les énigmes dans Doom. Oui. Les énigmes dans Doom, l'ambiance, ouais, c'est vrai. Même si Doom 2016 effectivement était un bon jeu, hein. Mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Doom 2016, c'est un peu la bêta de Doom Eternal. Ouais, c'est vrai. Doom 2016, c'est un labyrinthe. Ah non, c'est ultra linéaire. Il est largement moins glauque que le Eternal que 2016, mais pour le reste, Eternal est supérieur. Ouais. Tu vas revenir sur Valorant, le jeu te paraîtra lent. Bah non, je connais, c'est bon. Je sais faire les deux.
Il fait quoi le BFG 10000? Attention, le BFG 10000 va tirer. Dans Doom 2016, il n'y a pas Strasbourg. C'est vrai. C'est vrai que dans Doom 2016, il n'y a pas Strasbourg. Doom Eternal, je le trouve mieux en tout point. Franchement, moi j'ai vu qu'il y a pas mal de puristes qui trouvaient que Doom 2016 était meilleur que Eternal, mais moi je suis pas du tout d'accord. Moi je suis pas. Bon, en même temps, je suis pas un puriste. Je suis pas du tout un puriste, je suis un casual de Doom et un fan de ID Software de l'ancien temps. Mais vraiment, je trouve que Doom Eternal, moi j'ai beaucoup plus apprécié Doom Eternal en tant que casu. Le maraudeur apporte énormément au jeu, sa difficulté est prenante. Oui, bon, c'est bon. On va peut-être pas déconner. Hein. On va peut-être pas déconner quand même. Non, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. En tout cas, il y en a du monde pour faire ce jeu, tu m'étonnes. Putain, qu'est-ce qu'il est beau par contre. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, merci. Hein. Oh, merci aux artistes. Hein. Merci aux artistes, hein. On s'est régalé. Hein. Qu'est-ce que c'est beau votre jeu là. Vous nous avez régalé. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est beau, voilà, c'est beau dans les boyaux, quoi. Mais bon. Mais c'est beau quand même. Moi, j'ai pas l'habitude de jouer à des jeux beaux. Peut-être pour ça que je trouve ça ultra beau. Après, ça se voit peut-être pas en stream, mais moi, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Voilà. Et le sound design, incroyable. Félicitations, tu as honoré ton contrat. C'est vrai. C'est vrai que j'ai honoré le contrat. Bon, bah, il restait, ouais, il restait 6h30 de gameplay. Sur ce jeu. Maintenant on attend la bande originale hein. Ah bon, même si apparemment il y a des problèmes et tout, j'ai lu un petit peu vos messages au début sur la bande originale. Mais bon, tranquille. Bon, on peut retourner sur Valorant sur Valorant serein maintenant. Non, maintenant le programme c'est faut finir les niveaux de Biped avec Flora en nocturne. Je sais pas si vous avez vu, mais en nocturne hier. Non, avant-hier, en nocturne, on a fait un jeu exceptionnel qui s'appelle Biped, un petit jeu indé d'un studio racheté par Tencent. Avec Biped, on a eu des fous rires comme on avait franchement pas eu des fous rires depuis longtemps en live, c'était exceptionnel, on s'est régalé. On a pleuré de rire, Flora a pleuré de rire. Et voilà, il y a aussi l'alpha de Shadowland où j'aimerais aller faire un petit tour. Ce serait sympa. Et évidemment du Valorant. Iku. Ouais, on s'est régalé, putain. Évidemment du Valorant, il y aura toujours des tournois, on va jouer avec Hip, avec Lo. Je crois qu'il y a un Twitch Rivals de Valorant qui arrive en fin de semaine. Donc ça pourrait être très sympa. Une grosse annonce aussi mercredi concernant Valorant, ça va être insane. J'espère que vous serez contents. Je vous ferai un petit résumé sur Twitter, mais en live ce sera plus sympa. Donc mercredi je ferai une annonce concernant Valorant, donc c'est dans deux jours tout simplement, puisque là nous sommes lundi soir ou mardi matin pour les plus matinaux d'entre vous. Faut vraiment être très très matinal, hein, effectivement. Mais voilà. Oups, ça va tryhard les ranked. Bah y a pas de date pour les ranked. Après, est-ce qu'on va tryhard les ranked? Bon, ouais, je sais pas. Faudra voir. On va voir ce qu'on va faire. Mercredi, quelle heure Valorant? Oh, je sais pas, le soir, je pense. Je sais pas trop. Vers le soir. Bon, bah voilà. System Admin Live Operation. Engineering Live Operation. Zenimax Media, qu'est-ce que c'est que ça? Executive Assistant Chairman, Legal Lead, Deputy General Counsel. Ah, le légal. Hein. Vice President Information Technology. Information Technologie, bah y'a du monde là. Thomas Peters 3. Third of his name. Incroyable, tu continues ou dodo? Je pense que je vais stop là. Bon, ça fait 6h40 de live sur Doom. C'est fatigant par contre de jouer à Doom, je trouve. Petite parenthèse, le nom du studio de Doom vient de concept de id de Freud et se prononce donc id et non id. Non, je sais que c'est pas id software, ouais. Et ouais, je sais bien. T'as joué en quelle difficulté? J'ai joué en. Bah, je crois en moyen. Enfin, non, je crois que ça doit être difficile parce que c'est ultra violence. En fait, il y a une autre difficulté, la mienne, et une autre difficulté, et encore une autre difficulté. On est vraiment à la moitié, quoi, donc j'imagine moyen. Voilà. J'ai adoré les deux derniers Doom, mais je trouve que l'ambiance de Doom 2016 me parle plus que celle d'Eternal, parce que le premier niveau de 2016 me fait penser au premier niveau de Doom 1, et donc ça réveille ma nostalgie. Ah ouais, mais quand ça réveille la nostalgie, effectivement, la difficulté c'est Hurt Me Plenty. Non, on n'a pas joué en Fais-moi mal, on a joué en Ultra Violence. On n'a pas joué en Hurt Me Plenty. Je sais pas comment ça s'appelle le niveau de difficulté Ultra Violence en. En anglais, peut-être ultra violent, un truc comme ça, j'en sais rien. T'as fait le jeu en combien de temps? Eh ben, je sais pas.
On va quitter les crédits, hein. On en a marre. J'adore les crédits, hein, mais quand même. On va regarder, tiens. Ah ouais, j'ai tout à explorer sur ce monde, hein. Petite cinématique de fin, peut-être. Ah, il y a un truc à la fin. Ouais. Ah bah oui, on revient sur le vaisseau. Félicitations, vous avez terminé Doom Eternal. Vous pouvez maintenant continuer à explorer la forteresse de la destruction pour obtenir des objets que vous avez ratés à l'écran choix de mission. Vous pouvez aussi continuer à tester vos compétences en jouant à notre Battle Mode compétitif ou en vous plongeant dans les niveaux maîtres, qui sont des versions plus coriaces des missions de la campagne conçues pour tester vraiment votre maîtrise. De nouveaux niveaux maîtres sont ajoutés régulièrement, alors n'oubliez pas d'aller vérifier souvent. Ok. Ok, 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 ok. Ouais, donc là c'est pour revenir forcément dans les niveaux, si vous voulez revenir à certains points, ou pour tenter de débloquer... Ah oui, petite point d'interrogation là. Ou pour tenter de débloquer l'arme ultime, c'est-à-dire ceci. Ce truc-là. Ah, on peut maintenant! Ah, je savais pas qu'il fallait finir Nuke Doom pour l'avoir. Ok. Et comment on fait? Ah, c'est tout? Ah, et maintenant je l'ai peut-être? Non, comment on fait? Ah oui, non, d'accord, j'en ai débloqué 3. 1, 2, 3. Il en faut 3 sur 6. Il en faut 6 sur 3, pardon. Sur les 3 qu'on a là. My bad, my bad. J'ai pas regardé pendant l'animation. Donc vous pouvez vous entraîner à essayer de déverrouiller ça. Il faut les clés de Slayer. Effectivement. Et voilà. C'est quoi ça? Objet de collection. Ah oui. Donc voilà, il y a des trucs à débloquer forcément pour les gens qui veulent le faire à 100%. C'est pas beaucoup plus long. Il faut une dizaine d'heures en plus, voilà. Et ça se fait. J'ai vu un petit peu sur How Long To Beat et tout. Et de ce que j'ai raté. Là je sais pas à combien de pourcentage j'en suis du jeu. Ce serait difficile de savoir. Ce serait pas... Je pense pas qu'on puisse le savoir forcément. Est-ce que là il y a les pourcentages ou quoi? Ouais non, il y a pas. Je sais pas trop mais... je pense que je dois être à une bonne soixantaine, soixante-dizaine de pourcents quand même. C'est une arme de Doom 64 qui à l'époque était tellement difficile d'obtenir, surtout pour l'avoir à son plein potentiel. Ouais, il y a un seul niveau maître, non? Non, je crois pas. Personnalisé. Putain, mon Slayer! J'ai tous les skins! Ah, c'est la porte derrière. Ah, j'ai des skins pour certaines armes. Shotgun Maker. On n'a pas tout quand même. BFG. Oh là, BFG Astro, je fais là. Pas mal. Ça, c'est le truc du multi. Titre. Tueur de titan. Icône. Super. C'est le truc pour le multi. Et le battle mode, bien sûr, le mode compétitif. Ouais, super. Mon mob préféré. C'est lui, mon mob préféré. Le maraudeur, à l'aide. Vraiment à l'aide. Bon bah écoutez, voilà hein. On va se laisser là. Alors je suis à combien d'heures de jeu? Voyons. C'est où? C'est là. On est à 15 heures de jeu, voilà. Quinzaine d'heures de jeu. Allez, on va dire 14, sans le slacking. 14aine d'heures de jeu. Bon bah c'était ça hein. Sur un long to beat, il y avait écrit environ 13 heures. Il y avait écrit entre 13 et 17 heures. J'ai mis 15 heures, bon. On est largement dans les temps. Et voilà. BFG c'est pour Big Fucking Gun. Ouais, exactement. C'est pour ça. Après je sais pas si c'est dit dans Doom une seule fois que BFG c'est pour Big Fucking Gun. Après ils le disent dans le film Doom avec The Rock. 13 heures en facile probablement. Ouais, pas forcément hein. J'ai pas été super rapide et j'ai un peu slacké. J'ai voulu faire certaines clés de Slayer et tout, donc voilà. Tout comme la BF Sword de LOL. Oui. Bah, la BF Sword, c'est une référence au BFG, quoi. Le film est canon, bien sûr. Ouais, le BF Glaive. Ouais, le BFG, le BF Glaive, c'est une référence au BFG de Doom. Je regardais un petit peu, là, regardez, j'étais sur How Long To Beat, je regardais un petit peu... je sais pas, il n'y a pas les difficultés dans lesquelles c'est fini. Mais vous voyez, si on regarde... Merde,
Doom Eternal, complétionniste 23h. Les main plus extra 17h30. Entre 13 et 17h39. Donc voilà, tranquille. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les, des difficultés. Bon, c'est pas grave. Hein. Mais c'est sympa. Perso, 23h le 100% en ultra violence. J'ai pas fait un ultra nightmare par contre. Ah ouais, ça doit être chaud. Hein. T'as vu les Easter eggs dans la chambre du Slayer? J'en ai vu certains, ouais. C'est quoi ce site? Ça m'intéresse. C'est How Long To Beat. Très utile quand vous êtes un streamer et que vous savez pas dans quoi vous vous engagez. Effectivement. Le broadcast, il y a un message et t'as skip la cinématique de fin. Non, j'ai pas skip la cinématique de fin. Non, hop, c'est ça que je voulais faire. Je crois pas avoir zappé la cinématique de fin. Je vais aller voir, mais je crois pas. Voyons. Ici le réseau de la Résistance. Nous espérons que ceci sera notre dernière diffusion. À tous les habitants de la Terre et à tous ceux qui nous écoutent, la horde démoniaque est vaincue. D'accord. La bête identifiée par les scientifiques de l'Arc comme l'icône du péché a été détruite plus tôt dans la journée par le Slayer en personne. Oh là là. Et la majorité des forces des démons se sont dispersées à sa suite. Ouais. Bien joué. Suite à la diminution de la menace, il est important que nous nous rassemblions. Ouais. L'espoir vit encore, et la race humaine survivra. Mais il en restait des gens. De nombreux rescapés voient le Slayer comme une figure divine, dans un affrontement entre le bien et le mal aux proportions bibliques. Alors que l'humanité lutte encore pour comprendre ce qui lui est arrivé, ah bah avec et l'enfer pourquoi, et tout. Ces personnes espèrent que le Slayer saura leur apporter des réponses. Pourtant, nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Dans un vaisseau spatial. Putain, les amis, Strasbourg, est-ce que vous êtes chaud? Oh là là, Strasbourg! Ouais, voilà. Hein. Ici, le réseau de la ah résistance. Non, non, c'est bon. Il est confiné dans l'espace, le Slayer. Bon, bah, y'a pas de cinématique de fin. N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Strasbourg, c'est quoi la ref? Bah, en fait, sur la carte des démons là. Vous voyez, on voit la France ici là. Et le seul point démoniaque où il y avait des démons en France, c'était Strasbourg. Donc voilà. C'est à la fin des crédits la cinématique. Ah ouais? Eh ben pas de chance. On pourra jamais la revoir du coup. C'est pas de chance! En skippant le générique, tu l'as passé. Ok. Ah, c'est un peu con d'avoir mis la cinématique de fin après des crédits interminables. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû la rater du coup. C'est pas grave. Alors est-ce qu'on peut la revoir ou est-ce qu'on peut pas la revoir? Voyons voir. M'étonnerait qu'on puisse la revoir. Pire, vous la verrez sur YouTube. Des fois il y a des menus cinématiques dans les jeux. Bon, il y a très peu de jeux où ça se fait maintenant. Événement. Peut-être dans événement. Ah non, événement c'est le truc de. Je suis idiot. Extra. Crédit. Est-ce qu'on peut faire espace pour aller plus vite? Non. Ça m'étonnerait que si tu fasses à la fin des crédits et la cinématique de fin, je pense pas. Ça dure 20 secondes. Ah ouais? Ok. Eh ben on verra. Bon bah écoutez, merci à toutes et à tous. Moi je vais vous laisser là. On aura fait Doom Eternal en ultra hardcore, en ultra violence, pardon. Et c'était parfois très difficile, il faut le dire, quand on rencontrait des maraudeurs. Et il y a eu deux petites phases de combat là qui étaient vachement complexes. Mais c'était bien sympa. Franchement, je regrette pas du tout et c'était très cool. Évidemment, on se voit en live demain, comme tous les jours, pendant tout le temps où on est encore confined. 4 heures par jour, hein, depuis qu'on est confiné, je m'y suis engagé. Et ça tient toujours. Donc, mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne nuit, après-midi, matinée, suivant vous habitez sur le globe. Et je vous dis à demain, bien sûr, au moins 2 heures, puisqu'on a streamé seulement 2h09 aujourd'hui. Ciao, bye bye, à bientôt sur Lazerator Télévision. Salut!